Ça, c'est bien. Langouste, cigale, dorade. Bon, ben voilà. Una buena pesca. Et ahora, tu as du thon, du marlin, non? On a là des marlines, uniquement des dorades. Le goût du bon, la qualité, l'exigence, Gérard Puisatch connaît. Ancien chef cuisinier de François Mitterrand à l'Élysée, Gérard a posé ses valises il y a 11 ans sur la péninsule de Samana et n'est jamais reparti. Vu le peu de pêche qu'on a, parce qu'on a, c'est pas de la pêche industrielle, c'est de la pêche artisanale, j'ai acheté un bateau avec un moteur et j'ai mis une équipe de pêcheurs qui vont pêcher tous les jours pour moi. Voilà. Et c'est vrai que, bah avec ça, je suis plus embêté, quoi. J'ai du poisson frais tous les jours, des langoustes fraîches, des cigales. C'est du produit hyper frais, quoi. Je veux dire, on peut pas, il n'y a pas de congélation, pas de chambre froide. On passe directement. On passe sur des dorades qui passent en carpaccio directement le jour même. Donc c'est un produit quand même qui est hyper frais, quoi. Chose très rare chez nous en France maintenant. Ça, c'est du produit qu'on ne trouve plus. Ça coûte une fortune en France. Et ici, on a encore de la chance d'en avoir. Si elle vient d'être pêchée il y a à peine une demi-heure, elle sent encore jaune, verte, bleue. Dorado fresco. Ah, frequecito, frequecito. Dorado terminado de coger. Ça, je vais faire du poisson fumé avec. Quanto livres tiene? 31. Bueno, c'est à comprar. Acheter. Perle d'eau, dissimulée en pleine jungle, la cascade del Limón, d'une hauteur de 50 mètres, est le lieu de promenade des habitants de Las Terenas ou de Samana. On y vient à pied ou à cheval, pour, comme Gérard et son ami Pierre Fayet, une partie de plaisir. Tout comme il y a 500 ans. Les Indiens Taïno étaient très nombreux à vivre dans cette région, entre Las Terenas, Limón et un peu plus vers Samana. C'est des gens qui ont consacré leur vie au plaisir de la vie, ce qu'on appelle les épicuriens. Ce sont des gens qui avaient inventé le hamac, le cigare, l'ancêtre du football. Ils ne vivaient que pour les bonnes choses de la vie. Et ces bonnes choses de la vie, eh bien, ce paradis qu'ils avaient créé, ils le retrouvaient dans la cascade de Limón, où ils allaient souvent se baigner, se ravitailler, bien entendu, en eau douce, et ils y prenaient beaucoup de plaisir. Ah, les feuilles de papaye hier. Ouais, c'est. Et ça sert à quoi? À attendrir la viande. Ah oui. Y a pas mieux. Ah, je ne sais pas. Tu emballes le filet de bœuf, grand steak. Tu le laisses pendant 2 jours dans les feuilles. Et là, il y a un petit jus qui vient enrober le filet.
qui entre dans la viande et qui attendrit ça, mais alors, ça du beurre. Ça donne un goût. Aucun goût. Aucun goût. Non, avec ça, j'en ai suffisamment. J'en fais un paquet.